pensent les professionnels de ce phénomène ? Direction la zone sud à Limoges, vers la Birothèque, un lieu créé fin 2010 par Étienne Le Talec, entièrement dédié à la bière belge. Plus de 150 références. Mais qu'est-ce qui différencie ces produits des bières locales ? Dans la bière belge, on va avoir, en règle générale, on va avoir un nez, une bouche, une arrière-bouche. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas systématiquement ces trois éléments dans les bières locales. Puis bon, les Belges, ils ont beaucoup plus de recul. Souvent, ce sont des bières d'abbaye qui ont été reprises par des brasseries. Mais il y a un savoir-faire ancestral. Donc ça ne peut pas venir du jour au lendemain. On ne peut pas obtenir la bière qu'on veut sur une année, sur le premier brassin. C'est pas possible. Étienne Le Talec voit cependant d'un très bon œil l'émergence des brasseries locales qui font évoluer l'image de la bière et puis qui changent peu à peu les goûts des consommateurs. Je trouve ça très bien d'avoir cette petite émulation autour de la bière et c'est vrai que c'est plutôt bien, c'est plutôt curieux, même au point de vue touristique, c'est intéressant quoi.